Dans un monde où les cafards votent pour les pesticides contre les fourmis, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, se trouve bizarrement victime d'une wallance politique qui serait digne d'une république bananière. Sa conférence sur la Palestine, prévue à Lille en compagnie de la trépidante militante franco-palestinienne Rima Hassan, a été interdite non pas une, mais deux fois. Le premier coup bas est venu de l'université de Lille, dont le président, plus souple qu'une feuille de papier toilette, pour tout dire comment qu'il est souple, a décidé d'annuler l'événement sous prétexte que la sérénité des débats n'est pas garantie. C'est vrai ça? Alors est-ce que c'est vraiment un prétexte que la sérénité des débats n'est pas garantie? On connaît l'enthousiasme des militants de la France insoumise, on connaît leurs exactions réitérées envers leurs opposants. Il est possible que la sérénité des débats n'ait effectivement pas de garantie d'être présente. Mélenchon, loin de se démonter, accuse les chiens de garde et autres élus opposés à la conférence de se comporter comme des autruches face à la réalité. Puisque la seule réalité qui est valable, c'est celle qui sort de la bouche du vieux. Mais c'était là encore sans compter, sans la préfecture du Nord. Après le président de l'université de Lille, c'est le préfet qui, tel un petit canaillou ou tel une cerise sur un gâteau empoisonné, a interdit à son tour la conférence qui avait été relocalisée à la hâte dans une salle privée. L'université ne voulait pas accepter la LFI, eh bien la LFI louerait un local pour pouvoir avoir sa fameuse conférence. Eh ben non, le préfet a dit non, ta conférence elle n'aura pas lieu, donc tu peux le faire dans un cadre privé, c'est pas grave, on interdit. Le motif, un risque de trouble à l'ordre public. Les insoumis de guerre lasse se résignent à organiser un rassemblement public qui attire tout de même plusieurs centaines de personnes. Mélenchon, dans un élan de poésie noire, lance un message aux cafards, c'est ces termes, qui ont voté pour les pesticides. Même les abeilles qui se sont abstenues en sont mortes. Eh oui, les pesticides, ça tue même les abeilles. Il est malin le Mélenchon, hein. Ah, il a des images belles, hein. La préfecture, quant à elle, justifie sa décision en évoquant des appels à la mobilisation d'organisations opposées à la conférence, ainsi que la taille insuffisante de la salle privée réservée pour l'événement. Et il ne faut jamais oublier, souvenez-vous, c'était en mars ou avril 2023, quand Gérald Darmanin avait dit que systématiquement les préfets devraient annuler les interdire toutes les manifestations de l'extrême droite, de l'ultra-droite. Eh bien, je vous le disais à l'époque, cela aurait évidemment des conséquences sur d'autres partis, puisque il ne peut pas y avoir dans une démocratie du deux poids deux mesures trop visible. C'en est la conséquence. Et à l'époque, le gars Mélenchon était bien content que cette décision soit prise. Mais bon, qu'importe là encore. Le fait que Rima Hassan, la militante franco-palestinienne, soit dans toute cette histoire et soit présente à cette conférence n'est pas étrangère à tout ça. Cette dame, Rima Hassan, elle se sent pourchassée, non pas pour ce qu'elle dit, mais pour ce qu'elle est. Elle serait accusée d'avoir soutenu l'action terroriste du Hamas. Elle dénonce donc le racisme autour de la question israélo-palestinienne et jure de se battre autant que possible pour organiser cette conférence. Tout se résume à peu de choses. On parle Europe, et puis l'Europe, en tout cas le seul élément qui intéresse la France insoumise et son leader charismatique Jean-Luc Mélenchon, c'est la Palestine. Alors, est-ce que tout cela ne puerait pas un petit peu l'électoralisme? Oui, sans doute. Bon, en tout cas, il y en a qui peuvent que se réjouir de tout ça, puisque les socialistes, ils étaient morts et enterrés, et grâce à Mélenchon, ils sont sortis du tombeau. Bon, effectivement, on commence à voir qu'il y a quand même des ressemblances entre le mec et la petite moustache et puis le gars Mélenchon. On voit Jean-Luc Mélenchon avec toute sa team de rêves derrière. Hein. On a le baffeur de ses dames, Katanins. On a Chikirou, celle qui est la compagne à la ville et qui a eu quelques petites histoires financières aussi, donc Chikirou. On a
l'ex-dealer Louis Boyard, et puis d'autres que je ne connais pas. Nous connaissons les bassesses qui ont conduit la police française à faire la rafle du Veldiv sur les ordres des capitulars de l'époque, qui étaient déjà couchés comme des chiens gémissants après avoir capitulé sans condition. Bon, déjà, l'histoire revue et corrigée par Méluche. Et vous voyez, là, il a une belle veste en cuir. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à la veste de Ramirez? Voilà, vous voyez, Ramirez. Un petit côté très, très gestapo, très gestapiste. Bon, c'est peut-être un choix délibéré, allez savoir. Devant l'envahisseur nazi, nous connaissons l'histoire de notre pays. Et c'est parce que nous la connaissons que nous nous méfions, pas seulement des fascistes, mais plus encore peut-être des lâches. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Alors, il s'est aplati, il s'est couché, craignant pour sa réélection peut-être, ou bien je ne sais qu'est dans je ne sais quelle sale migondie d'histoire entre chers professeurs qui se détestent et se concurrencent, et pour finir, sacrifient sur l'autel de leurs pauvres ambitions. Vous êtes des lâches, nous vous méprisons. Vous êtes des lâches, nous, ma prison. Oh. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ce mec fait peur. Für Richtigkeit, ob du glaubst. Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig. Et ce qui flotte au-dessus de lui, c'est un drapeau palestinien, c'est pas un drapeau européen, c'est pas un drapeau français, on comprend pas quoi. Meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja. Eh ben dis donc, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Hein. Puis maintenant, on va peut-être parler aussi de sa co-conférencière, la fameuse Rima Hassan, qui porte plainte contre un journaliste de CNews, puisque, oh le méchant, le pas beau, il dit qu'elle est antisémite. Ce soir, mardi soir, vous avez déclaré sur ce plateau que Rima Hassan avait la haine des Juifs chevillée au corps. Rima Hassan a publié aujourd'hui un tweet. Elle dit « Bonjour Yohann Houzaï. Suite à vos déclarations que vous avez tenues sur CNews, Rima Hassan a la haine des Juifs chevillée au corps depuis sa naissance. Je vous annonce déposer plainte contre vous. À très bientôt. Je vous souhaite d'être prêt », dit-elle. Pourquoi qu'est-ce qui vous a poussé à dire ça? Voyez-vous, je ne prends aucun plaisir à affirmer que Rima Hassan a la haine des Juifs chevillée au corps. Si je me suis permis de le dire, c'est parce que, hélas, je pense bien pouvoir en apporter la preuve. Je pense bien en avoir la preuve. Mes propos, ils sont étayés. Quand on lui pose au mois de novembre dernier la question « L'action du Hamas est-elle légitime ?», elle répond oui. Oui, c'est vrai, l'action du Hamas est légitime. Elle légitime donc le pogrom du 7 octobre dernier. Elle trouve une justification à ce pogrom. Si là, on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où est-on? Je pose la question. Je lui pose la question. Quand on lui demande si Israël a le droit de se défendre, elle répond non. Non, c'est faux. Non, Israël n'a pas le droit de se défendre. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme aussi d'antisémitisme? Quand elle utilise l'expression, ou plutôt le slogan « From the river to the sea », qui signifie la Palestine de la rivière à la mer, ce qui veut dire en fait « raser l'État d'Israël », ce qui veut dire « détruire l'État hébreu » et par extension « le peuple juif ». Est-ce qu'on n'est pas là dans l'antisémitisme? Je pose à nouveau la question. Plus récemment, on a vu l'exemple d'affiches, notamment pour la conférence qui devait se tenir à Lille. Sur cette affiche, il y a la photo, le nom de Rima Hassan. Et à côté de cette photo, sur cette affiche, le slogan, le logo de Free Palestine, où là aussi, Israël est rayé de la carte. On est à nouveau dans la négation de l'État d'Israël, dans la négation du peuple juif. On n'est pas là dans l'antisémitisme. J'aimerais pouvoir dire le contraire. J'aimerais pouvoir affirmer que Rima Hassan n'est pas antisémite. Je pense pouvoir prouver le contraire. Comme souvent dans l'extrême gauche, on est dans la menace. Ça ne m'intimide pas beaucoup. Je suis journaliste, je ne suis pas un opposant politique, donc j'irai répondre devant le tribunal si la procédure va jusque-là, avec des arguments journalistiques pour démontrer qu'effectivement, selon moi, Rima Hassan a la haine des juifs. Je soutiens cet homme, Jean-Luc Mélenchon, le dernier rempart contre l'extrême droite. Et vous, le rempart part en miettes. LFI veut la paix, rayer la fin d'Israël. Ah oui, toujours et encore cette fameuse extrême droite. Et sinon, pour la France et les Français, il fait quoi? C'est qu'il il se concentre, c'est un petit peu le titre de cette vidéo, il se concentre sur
Il nous parle d'Europe, mais il nous parle d'Europe en nous parlant de Palestine, du Proche-Orient. Donc, bon, je sais que la géo, c'est peut-être quelque chose qu'il n'aime pas trop, quoi. Il est plus dans l'histoire, mais quand même, quoi. Je soutiens cet homme, Jordan Bardella, le dernier rempart contre l'extrême gauche. Et vous? Oula, plus d'arguments, plus de Palestine, plus de il faut prendre aux riches, plus de camps, de la paix. Mais revenez au bon vieux barrage à l'extrême droite, vous êtes désespérés ou quoi? Bon, au final, Mélenchon nous a parlé beaucoup de censure, la censure qu'il concerne lui et ses militants. Par contre, c'est vrai que la censure dans le reste de la société, pour ses adversaires politiques, ça ne gêne pas. Il est même plutôt carrément pour. C'est le double discours, on le connaît, donc on ne sera pas étonné. Et puis, je pense qu'il faut avoir aucune mansuétude pour le bonhomme. Il s'enfonce, il fait le jeu de ses adversaires politiques à gauche. On voit comment le Parti Socialiste revient en force pour les élections européennes. Les écologistes les évitent, ils les croisent plus dans les couloirs. La France Insoumise est complètement partie en vrille. Ça étonnera personne. Allez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.